Aujourd'hui, je vous propose de passer à l'exercice suivant en gardant les yeux fermés, puisque c'est un exercice de visualisation. Cet exercice va vous permettre de vous recentrer sur l'instant présent encore davantage. Tout d'abord, vous ressentez vos points d'appui encore pour revenir à la présence de votre corps dans la pièce. Vous relâchez les muscles de votre visage. Vous laissez faire le poids naturel de vos épaules et de vos bras, de vos mains. Votre dos se relâche. Vous sentez dans votre thorax et votre ventre la respiration qui s'abaisse, qui devient plus calme, qui vient se poser à l'intérieur de vous. Ressentez votre bassin posé, bien calé dans la chaise, si vous êtes sur une chaise ou sur votre lit. Et vos pieds à plat au sol. Dans cette détente, vous allez vous concentrer maintenant sur l'image d'une plume. Imaginez cette plume, sa forme, sa longueur. Vous pouvez voir ses couleurs ou sa couleur. Vous allez observer cette plume, sous tous ses angles, sous toutes ses coutures, comme si vous tourniez autour, comme une caméra. Vous continuez à définir cette image encore avec des détails qui apparaissent, par exemple, sa texture. Imaginez sa matière soyeuse, douce. Percevez également son volume, sa densité qui est légère. Cette plume est suspendue dans les airs, portée par les airs. Et puis maintenant, vous allez vous concentrer encore davantage sur cette plume, toute votre attention. Vous allez la voir descendre et peut-être virevolter d'un côté et de l'autre, comme si elle dansait. Elle peut même tourner sur elle-même, et vous la voyez descendre encore davantage. Vous la laissez, voilà, descendre, et vous suivez cette descente, jusqu'à ce qu'elle puisse se poser délicatement sur le sol. Puis une fois qu'elle est posée sur le sol, vous laissez disparaître l'image de cette plume. Et vous revenez dans vos sensations corporelles, dans l'instant présent. Vous prenez conscience de votre capacité à vous recentrer sur l'instant présent. Quand c'est le moment pour vous, quand vous l'aurez décidé, je vous propose maintenant d'ouvrir les yeux.